ce nouvel épisode, nous partons découvrir un château aux 2000 ans d'histoire. C'est tout d'abord une puissante tour à signaux qui fut construite par les légions de l'empereur Tibère entre 19 et 31. Plus tard, Charlemagne installera dans l'ancienne tour romaine le premier seigneur du village. Les générations ne cesseront d'agrandir le domaine, enrichissant les constructions. En 1753, le château devient une seigneurie somptueuse, riche et puissante. En 1847, un comte vend le château à un autre comte, puis la propriété passe ensuite à quatre familles différentes. En 1961, une association du sport achète le domaine. Elle en fait une maison de retraite pour sportifs de haut niveau. Des années plus tard, des milliers de touristes de la France entière venaient y passer leurs vacances, et des animations étaient organisées par une association de tourisme. Aujourd'hui, le château appartient à une société qui réfléchit à un projet immobilier. Bonjour à tous et bonjour tout le monde. On fait le repérage et vous pouvez constater déjà qu'il y a un vent infernal. Donc ce soir, à mon avis, il faudra qu'on soit prudente par rapport au bruit parasite. Donc ça risque de claquer de partout parce que c'est tout grand ouvert. Désolée si je tremble, il fait quand même très froid. C'est parti pour une visite de jour. Il est très très délabré, comme vous pouvez constater.
si ça ne dérangeait pas de pénétrer dans ces lieux. C'est Émilie et Olivia. On est de retour. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut nous recevoir? Qui veut nous montrer qu'il est là? C'est plutôt calme pour l'instant. Il y a quelqu'un ici. Est-ce que vous êtes prêt à nous recevoir? Et vous allez voir, il y a des lumières qui vont apparaître, ce qui pourrait nous donner un signe que vous êtes avec nous. Ça nous aiderait. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soir on reste avec vous pendant un petit moment? Faites-nous savoir votre présence. Par ce que vous voulez comme signe, mais allez-y. Faudra pas avoir peur de nous, hein. On va monter à l'étage.
Même bon, on n'a pas de chance. Et donc, comme il y avait de la route. Et pendant qu'on marche, vous pouvez toujours nous laisser un message. Hein. Surtout par... dans les escaliers, on a pu constater qu'il y avait quand même de l'activité. Grâce à d'autres enquêteurs, oui, qu'il y avait pas mal d'activité dans les escaliers. Dégradé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette partie de bâtiment ? C'est le froid, ça. J'ai trop froid. Il faut savoir qu'il doit faire à peu près zéro encore, zéro degré. Comment tu le sens ? Bah là ça va. Hein. Là ça va ? C'est notre première dans un château, hein ? Première enquête. Oui, le manoir. C'est pour le château. Donc on verra ce que ça va donner ce soir pour l'enquête. En espérant qu'on soit seul, parce que là on a déjà rencontré deux hommes se baladant. Et quand on est arrivé en début d'après-midi pour faire l'opérage, il y avait aussi un autre homme qui était tout seul. Il y a quand même beaucoup de passages ici. Mais bon, ça reste un petit village au final. Et du squattage. Vous ne voulez pas vous manifester déjà ? Parce que je sais que vous nous regardez là. Là, vous attendez ce soir pour vous manifester ? Je vous demande. Si vous voulez me dire oui, essayez d'actionner ce petit appareil avec la lumière verte. Approchez-vous. Est-ce que vous êtes là ? On ne peut pas, pas accéder. Cette partie ici, ça a pris feu. Donc on évitera cette partie-là ce soir, bien entendu. Même de jour. Ici, c'est calme. J'ai entendu un cri, mais je pense que ça doit être un enfant dehors. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Tapez comme moi dans le mur. Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Nous n'affirmons rien, mais juste après que je demande « dites-moi quelque chose », on peut entendre très légèrement un murmure à la sixième seconde. Écoutez bien. Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. En espérant que vous soyez plus présents ce soir. Ouais. Ça nous ferait plaisir.
C'est vous, hein? C'est vous seul, hein, qui décidez si vous avez envie de communiquer. Nous, on ne peut pas vous obliger, c'est sûr. Hein. Peut-être que ça peut être positif pour vous. Donc ici, c'était la réception du château. Non, c'est ici, ils recevaient des groupes pour restaurants, chambres d'hôtel. Vous pouvez constater que le complexe, il est immense. Attention, c'est bon ? Parti. Pour la séquence qui va suivre, nous allons utiliser une nouvelle application, la synthèse vocale. Ce logiciel permet de transformer un texte dicté à l'oral en texte écrit. Ici, nous allons poser nos questions et peut-être allons-nous avoir des réponses. Est-ce que vous êtes avec nous en ce moment ? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait communiquer ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse silence ? Ça veut dire quoi que vous êtes pour ? Pourquoi ? Pour faire silence. Ça va être. Pas de Facebook. Ben non, on n'est pas. C'est pas Facebook. Parlez fort et distinctement pour qu'on puisse vous relire. Tu me dois 5300 D. On comprend pas. Dollars. Allez-y.
Il faut vraiment que vous puissiez articuler. Oui, aujourd'hui. Et voilà, de retour pour l'enquête de nuit. Donc là, c'est pas la même ambiance que cet après-midi. Non. Rien à voir. Je serais d'avis. Quand on est à celui-là. Là, il y a moins de vent hein, ce soir quand même. Ouais, ça s'est un peu calmé. On est de retour. Allez, venez avec moi. Rejoignez-moi, là, dans cet espace, s'il vous plaît. Si vous pouvez le faire. Donc là, on a bien choisi, on s'est mise juste devant un mur. Il n'y a rien. Rien. Et on l'a mise, on a mis la Kinect en hauteur, pour pas qu'elle craigne les détritus au sol. Touchez la main. N'hésitez pas, venez. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans ce château? Rejoignez-nous. Venez nous rejoindre dans cette pièce pour nous raconter un petit peu l'histoire de cet endroit. Vous voulez pas venir avec nous? Personne veut communiquer avec nous? Vous êtes où? Vous n'avez pas envie de nous rejoindre? Vous voulez rester tranquille? Tout à l'heure, à l'écriture, on a eu « silence ». Est-ce que c'était un message pour nous faire comprendre que vous n'aviez pas envie de communiquer?
Alors ici, on a laissé la Kinect seule avec une petite caméra qui filme, qui enregistre tout. Et nous, on va aller se faire une séance synthétiseur vocal dans les escaliers. Allez, c'est parti. Là, celui-là. Est-ce que vous êtes avec nous en ce moment ? Allez-y, n'hésitez pas, laissez-nous votre message. Parlez bien fort. Comment vous appelez-vous ? Vous voulez savoir nos prénoms ? Moi, c'est Olivia. Il y a Émilie. C'est moi, Émilie. Enchantée. Est-ce que vous êtes content de nous voir ? N'hésitez pas si vous avez un message. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y reste quelqu'un ici ? Parlez fort, s'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à dire ? Si c'est vous, continuez, c'est bien. Ah d'accord, essaie. Vous vouliez dire que vous essayez ? J'essaie ? Essaie, on essaie quoi. J'essaie d'accord. De dire quelque chose. Allez, passez votre message. On vous laisse tout le matériel là, n'hésitez pas à faire réagir vos appareils. Hein. Vous savez pourquoi c'est faire, je pense. C'est pas la première fois que vous voyez tout ça. Voilà, et puis nous, on va déambuler dans le château.
N'hésitez pas à poser votre message hein, sur la caméra. Quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous recevoir ? S'il vous plaît. Y a quelqu'un ou pas? Là, j'ai entendu chanter. Là, j'ai entendu chanter. C'est très calme ici. On pourrait vous entendre là. Vous n'avez pas quelque chose à nous dire? Ça veut dire que cet endroit a été nettoyé, ma parole? À part le côté passé, en fait, hein, je ressens le côté vie, tout ce qui a pu se passer dans ce bâtiment. Il y a eu quand même toutes les époques et il y a eu tous les âges aussi. Mais, je sais pas, tout ce qui est énergie négative ou tout ça, je ressens pas. Je m'attendais à être bouleversée par le château de 2000 ans quand même. Et je sais pas si, au vu du passage, est-ce que ça a pas un peu balayé à chaque fois. Et qui ferait que, ben, aujourd'hui, on ressent pas grand-chose. Je ressens rien. Hein? Un petit comment peu cet après-midi. Oui, cet après-midi, au premier contact. Mais là, comment tu te sens? Tu te sens pas? Ah non, je me sens bien. D'habitude, des fois, on se sent pas bien. On va même dormir ici, là. Oui, on pourrait. Là, moi, je pourrais dormir. Franchement, hein, on est sérieuse. Là, ouais, carrément. On ne le fera pas. On va pas le faire, ça caille. Mais c'est pour dire. Ça caille grave ici. Hein. C'est tout en vent. Mais c'est tellement calme. Mais c'est vrai que c'est très calme. Ou alors, c'est pour vous cacher, ou est-ce qu'on vous fait peur? C'est pas l'heure encore? Est-ce qu'on vous fait peur ou est-ce que, oui, comme disait Olivia, vous en avez marre, en fait. Marre, tout simplement marre qu'on vous sollicite toutes les 5 minutes. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a un chien. Oui, il y a un chien. Peut-être que c'est ça aussi qui vous dérange. Et que vous n'avez pas envie forcément de parler. Ici, on peut faire une séance PV.
On a amené un petit appareil où on passe des radios, des fréquences, et ça nous permet de vous entendre si vous avez quelque chose à nous dire. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes là avec nous? Elle est là pour elle. C'est nous? Vous n'avez pas envie de nous parler à nous? Vous voulez qu'on vous laisse? En fait, nous, on est vraiment juste là pour prouver qu'il y a une vie après la mort, que rien ne s'arrête. C'est quand j'ai parlé de vie après la mort. Dans l'amour. Et si vous
êtes coincé, on est là pour vous aider à monter, à évoluer. Ça vous dérange peut-être? L'ambiance au château est décidément bien calme et nous n'aurons malheureusement aucune réponse à la Spirit Box. Avez-vous un prénom à nous donner? Vous faites un bruit? Oui, si c'est plus facile pour vous, essayez de taper dans quelque chose. Vous faites un bruit? Oui, si c'est plus facile pour vous, essayez de taper dans quelque chose. Certains pratiquent comme ça. Oui? Non? Vous êtes d'accord pour discuter comme ceci? Un coup pour oui, deux coups pour non. Vous voulez qu'on parte? C'est pas concluant ici pour nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas expressif? Vous n'avez pas le droit de parler? Il y a quelque chose qui vous en... quelque chose ou quelqu'un qui vous en empêche? Je m'attendais à la première fois qu'on est vu. Ah bah c'est la première fois qu'on a quelque chose aussi calme. Et alors vous voulez que je vous dise, il faisait un vent à décorner les cul. Voilà. Et là maintenant, il n'y a plus d'air. Enfin, il y a un peu d'air, là on ne le sent pas, mais c'est surtout qu'il n'y a rien qui claque. Cet après-midi, on s'était dit, oh, cette nuit, oh, ça va être l'enfer. Là, on a des bonnes conditions ce soir en plus. Là, c'est parfait là, pour une enquête. Parce qu'il n'y en a pas froid en plus. Là. Bah, moi, j'ai froid. Un peu plus savant encore, comparé à cet après-midi. Ah oui, oui. Parce que cet après-midi, c'était dur. Le K2 a réagi qu'une seule fois, et c'est bien sûr quand on n'a pas filmé. Comme beaucoup de fois pour le K2. Nous, on n'a pas de chance avec cet appareil. Dès qu'il réagit, c'est quand on n'a pas les yeux dessus. C'est vrai, hein?
tomber dans quelque chose. Nous, on n'a pas de chance avec cet appareil. Dès qu'il réagit, c'est quand on n'a pas les yeux dessus. Et ou à l'hôtel, abandonné. Ouais, mais c'est tout. La caméra qu'il avait... Bon, moi, pendant mes soins, de temps en temps, il réagit. Mais c'est léger, c'est pas comme certains qui travaillent avec et qui ont sacré résultat. Est-ce que vous voulez qu'on revienne un autre jour? C'est le jour qui convient pas. Peut-être un jour il fait plus chaud. Avec une autre heure. Vous me faites plaisir. Venez vous mettre à côté d'Olivia. Allez, venez vous asseoir ici. Allez, n'hésitez pas, venez. Venez vous faire prendre en photo, là, juste à côté d'Olivia. Venez vous asseoir dans les escaliers. On est dans les escaliers, là, en ce moment. Rejoignez-nous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ouais. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Voilà. Ne parle pas, mais ils ont dit, on entend. Ben, on espère que ça vous a pas trop ennuyé qu'on soit là. On n'a pas l'impression que ça vous ait fait très plaisir. Vous en voyez d'autres, quoi, parce que... Je serais curieuse de savoir vraiment si quelqu'un a fait un nettoyage ici. Un nettoyage énergétique qui vous aurait aidé et que du coup, ben, les lieux sont plutôt sains. Oui. C'est un peu... Bah, surtout pour vous dire, hein. Oh bah non, on filme comme ça. Surtout pour vous dire, c'est que en fait tout est ouvert partout et n'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment. Surtout comme on vous disait cet après-midi, c'est quand même bien fréquenté. Vous avez pu le voir sur les murs, hein, le paquet de tags qu'il y a. Enfin, il y a vraiment eu du passage ici. Mais en même temps, on n'a pas l'impression que ce soit glauque. Bah, hein, nous on s'attendait à ça et au final il est beau et il est accueillant. Si on habitait à côté, on serait revenu un autre jour et une autre heure. Ouais. Plus tard ou plus tôt, n'importe quoi. Merci de nous avoir suivis. Oui, merci encore à vous, hein, d'être toujours présent au poste, en espérant bien sûr que ce qu'on fait vous plaise toujours autant. En tout cas, on est nous-mêmes, toujours. Peinture. Cache pistache. Et la prochaine, bientôt. Peut-être un sanatorium. Ah toutes oui. Les deux, pour changer. Peut-être. Il y a encore encore autre chose, mais on va peut-être pas dire parce que ça peut faire une petite surprise. Insolite, un endroit insolite. Voilà. Et qu'on voit rarement en enquête, donc ça peut être sympa, ça peut changer. Bah, ce sera deux jours par contre. Oui. Enfin, un bon deux jours. On est obligé. De toute façon, là où on sera, je vais te dire que. On est obligé de le faire. Deux jours. Oui, mais je veux dire, là où on sera, ça, on aura l'impression d'être dans la nuit, quoi. Ah oui, voilà. Mais on dit pas plus. Voilà. On dit pas plus. Ça vous fait un petit peu de suspense. Eh bien, merci les amis. Merci. Au prochain épisode. Ouais, et au prochain épisode. À bientôt. Des gros bisous. Salut! Apart from your love, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Discover and release my love somehow. My questions need your answer, give them to me now. The pain inside is way too much, just want to hold you and feel your touch. But you can see me, pull me out of here. Feels like I'm drowning. Invisible. Cause you can see me in the shadows of my fear. Feels like I'm drowning.